Eh hey Olivier, ça y est, j'ai rédigé l'avis. Bon, celui-là, on a dit que c'était favorable, mais il m'a bien énervé. Donc, regarde ce que je lui écris. Ah, c'est cool parce que alors moi j'en ai marre là, c'est le cinquième avis que je dois rédiger dans la journée, j'en avais un peu par-dessus la tête. Alors, le candidat devra mieux surveiller son groupe, être plus attentif aux jeunes qui ne s'impliquent pas dans la séance. Doit travailler un peu plus ses séances. C'est clair, hein? Ça c'est clair, mais à mon avis, il y a un problème là, Pascal. Ah bon? Bah, regarde, tu mets avis favorable et en même temps, tu le descends, le stagiaire. Ouais, C'est pas très mais moi cohérent. je veux qu'il progresse encore. Oui, mais en même temps, là, ça va remonter au jury. Et après, eux, ils doivent trancher. Donc, si on a un avis favorable, on doit mettre un commentaire qui va dans le sens de cet avis-là. Tu penses que c'est un peu contradictoire? Ouais, je pense qu'il faut qu'on aille voir le guide.